Yo tout le monde, c'est Puzzle Gamer et on se retrouve pour le 7ème épisode de notre let's play sur Ravenhearth, la révélation, le MCF numéro 13 de Ravenhearth 5. Alors, bien, j'espère que vous allez bien, moi ça va, comparé à la dernière fois j'étais un peu crevé, ça va un peu mieux là, j'ai un peu récupéré. Mais bon, c'est pas très important, je pourrais raconter ma vie, j'espère surtout que vous allez bien. Et la dernière fois on avait fait quoi? On avait réussi à trouver une sorte de passage secret dans l'atelier du serrurier. Alors on avait vu une dispute entre le serrurier et Alistair, a priori bon, Alistair serait vengé. On a un homme qui est enfermé avec une sorte de boîte, qui a une boîte sur la tête fermée à clé. On sait pas trop si c'est le serrurier, au niveau de la morphologie ça n'a pas l'air d'être les mêmes personnes, mais bon. Un peu un mystère de ce côté là, donc on s'était débloqué à la fin et voilà, la seule chose qu'on avait à faire c'est aller ici, donc on va y aller. Je crois pas qu'on a vu de nouveaux objets à la fin, mais... Ah si, on a vu cette boîte à clé, mais... Il nous manquera probablement les petits motifs à mettre ici, donc on verra ça plus tard. Donc on va tout simplement aller là-haut, je crois que j'ai le phare ici. Ouais, donc hop, il va sûrement y avoir un phare là-haut, peut-être une cinématique. Ce satané corbeau me suit partout. Oui, c'est Thanatos, je crois, ou Tatanos, non, Thanatos, je crois, oui, c'est ça. Thanatos, le corbeau, sûrement d'Alistair. Tiens, le phare est là, hop, ça c'est fait. On a un peu plus d'un tiers de l'aventure en termes de scène, en termes de vue a priori. Certificat, je sous-signais Gisborne Selwyn, athèse par la présente Calister Dalimar, né le 20 avril de l'an 1457. Ok, donc ça correspond à terminer son apprentissage. Et maître dans l'art de la serrurerie, signé. Ok. Donc c'était bien son apprenti. J'avais évoqué le truc, mais j'étais pas sûr parce que je me souvenais plus trop de la dispute qu'ils avaient eue et Je n'ai plus du thème de la dispute, mais ça ne m'avait pas l'air d'être en rapport, d'être la dispute entre un apprenti et son maître, mais bon. Je crois que c'est en 95, donc ça veut dire qu'il aurait 38 ans à ce moment-là, donc il n'est pas si jeune que ça pour un apprenti, mais bon. Donc a priori, voilà, Gisborne Selwyn, le gars qu'on avait vu se disputer avec lui, était son maître, et voilà, il a appris la serrurerie. Donc je crois qu'il y avait un... Je sais plus quel rapport il a... Non, je crois que c'était son fils Charles qui avait un rapport, il était capable de mettre des canards. Je sais plus, enfin si vous vous souvenez du Ravenhearth 3, ils évoquaient ça un peu à un moment, mais je sais plus, c'est un peu loin, je me souviens plus exactement. Donc ça on a vu. Ah ça c'est ce qu'il a sur la tête, l'autre. Pas étonnant qu'Alistair ait obtenu un certificat si ceci était son projet de fin d'études, effrayant mais compliqué. Projet de fin d'études, ouais, c'était un peu comme une thèse. Il lui avait fait faire un gros... Ah bah là, on a la maquette. Gargouille, hein, sur toi. Attends, on doit pouvoir placer des choses, là. On va faire ça, comme ça sera déjà ça de fait. Hop. Est-ce que je peux les mettre? Non, lui, on peut pas le mettre, visiblement. Ah, d'accord, on peut prendre ces choses-là. Peut-être ici. Non, ici, tout simplement. Ça, ici. Visiblement, il me manque un truc. Est-ce que je peux pas mettre ce cher monsieur? Non. Ah, je vérifie. Oui, le son est bien lancé. Ça aurait été un peu dommage. Une tige. Je sais pas trop quoi ça va nous servir. Ah, il y a ça, j'avais pas vu. Il doit aller ici. Ok, très bien. Et nous obtenons une vouivre. D'accord, donc c'est l'emblème à mettre en bas. Ah, c'est bizarre, je pensais qu'il y aurait un truc à faire ici. Non. Là, il y a quelque chose. Année de naissance, ok, si c'est celle d'Alistair, c'est 1400, s'il est 38 ans, 1457. Je crois qu'on va vérifier, je ne peux plus si, hop, ouais, 1457, ok. Donc là, il n'y a rien à faire, là non plus. Ça, c'est assez bizarre. Que pourrais-je bien faire ici? C'est une bonne question. Voyons voir les objets que nous avons. On a mécanisme, mais je vois pas pourquoi c'est ici. On a ça, mais c'est pareil. On a ça, je vois pas non plus pourquoi. Ah. Ça, c'est un coup de bol, par contre, pour le coup. Parce que la tige, je pourrais pas aller là. On a une figurine. Ah, je sais à quoi ça sert, ça. Attendez, on va faire ça tout de suite. Vous aviez sûrement trouvé. Moi, j'y ai pas pensé sur le coup. Hop. Voilà. J'y ai pensé parce que je savais qu'il y avait une figurine. Et je savais qu'elle était dans les taux. Et je me suis dit, ah oui. C'est là que j'ai tilté, on va dire ça comme ça. Donc il nous manque que ça, là. Je sais pas trop ce que c'est, un truc circulaire qu'on n'a pas pour le moment, on verra ça plus tard. On a le phare, donc c'est déjà bien.
Non, par contre, ah oui, ah bah le mécanisme, je suis bête, j'avais même pas vu qu'on pouvait mettre un truc ici. Ah, et l'autre partie de la voie, on a une nickel. Donc là, on a tout fait, il nous laisse revenir parce que, attendez, il y a des 1, 2, 3. 1, 2, 3, ça peut être intéressant, faudra le noter. 1, 2, 3, je pense que j'en souviendrai. Après, je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais. Voilà, je crois qu'on a tout fait, hormis ça et ça. Mais ça, il nous manque une partie de la combinaison, et. Attendez, là j'ai. Non, je pense que ça ramène ici, ouais. Et là, ça dit quoi quand je vais sur le point d'interrogation? Les courants et la négligence ont apporté toutes sortes de choses dans cette ville. Oui, effectivement, on a une bouée, des gilets de sauvetage, une torpille. Normal, quoi. La routine. Donc, on va mettre la vouivre. Je me suis toujours pas renseigné sur ce que c'était précisément. On dirait deux têtes de serpent, mais. Encore une fois, je sais que c'est un truc mythologique, mais. Ah, on a le truc et l'araignée. Enfin, je dis l'araignée comme si c'était un truc que je savais où ça allait. Ça s'irait bien sur la toile d'araignée, je suppose. Donc, on va aller. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? Bon, la combinaison, on va voir si c'est l'année de naissance d'Alistair. Mais je crois que c'était. De toute façon, ils avaient dit que c'était la chambre d'Alistair. Donc, théoriquement, c'est forcément son année de naissance. 1400. Je sens bien la scène d'objets cachés. Je sais pas où. Les prochaines scènes d'objets cachés, pardon, on essaiera de les faire en moins d'une minute. C'est un peu le truc. J'ai fait une bêtise, j'ai cliqué au mauvais endroit, on est reparti. Donc voyons voir ce qu'il y a ici. Est-ce que c'est une scène d'objets cachés à tous les coups? Non, même pas. Alors ça, on a. En fait c'est une scène. C'est peut-être une scène d'objets cachés, mais elle est assez bizarre, donc je vais pas cliquer n'importe où non plus. Donc ça. 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 Le truc rond, ça devrait être assez simple. Ou pas. Et ça, là, par contre, c'est une forme beaucoup plus bizarre. Ah oui, très bien. Ça. Et ça. Heureusement, je pense pas que c'est compté comme une scène d'objets cachés. Mais... Ah, d'accord. C'est très drôle, les amis. Alors, c'est parti. Donc. Oh là là. Je crois que tout est planqué, en fait. C'est un peu le souci qu'on va avoir. Je pense qu'il y a moyen de faire autre chose, là. Pas trop ce que je dois faire, d'accord. Ça ici, ouais. Ça ici et ça au centre, ok. Ok, ça va être beaucoup plus simple. C'est bien fait l'animation du truc qui saute. On a tout là, donc on va le tenter, mais bon. Crayon. On va essayer de cliquer sur tout ce qui nous semble un peu bizarre. Là, j'y vais au pif pour l'instant. Ok, faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Une dent, non? Ça, une clé. Ouais, de la coude, papillon. Ok, c'est bien, on a bien enchaîné. Dessin de clé. Dessin de clé. Décoration. Ah, décoration, c'est super vague. C'était ça, c'est cool. Épingle en bois. C'est bien là-dedans. Non, je crois que je l'ai vu en plus. Ouais, ressort. Et dessin de clé. Ah là. On a pu le faire, mais je sais pas si ça a compté vraiment. Donc, non, ça n'a pas compté malheureusement. Dessin de clé, ok. Faut dire il était assez bizarre celui-là. De toute façon j'ai vérifié mais j'ai pas de petit 1 donc. Je pense que la scène où j'ai caché en son on l'a fait en moins d'une minute. Mais... Enfin on était très limite nous. Donc ça va être pour en bas. On va mettre l'araignée là-dedans, voir ce qui se passe. 4, très bien. Est-ce que ça veut dire que je peux la descendre de 4? 3, 2, 1. Que dois-je faire? Est-ce que je dois essayer de bouffer ce que je dois faire. Ah d'accord, j'ai je mets du fil à chaque fois que je passe en fait. Ah je comprends pas ce que je dois faire, je vous jure. C'est un truc de fou. Pourquoi est-ce qu'il y a 4, 3, 2, 1, 0. 4, 3, 2. Il a pas aimé que je le prenne à zéro. Je comprends pas ce que je dois faire vraiment. Je suis désolé. Vous voyez, ça a changé là. C'est passé à 4.
vrai ce que je dois faire. Parce que je dois revenir au centre. Là, je bug, les amis. Ah putain, je crois que je l'ai, je suis con. Mais oui, je suis con, les trucs verts, c'est ça qui te recharge. Oh là là, tardos. Déjà, ça va simplifier les choses. Vous voyez, là, ça me recharge. Ok. Ça me dit pas ce que je dois faire, mais je sais que ça me recharge. Ah, il faut tous les utiliser, en fait. Ok, bah c'est bon, j'ai compris le principe. Ok, donc c'est bon, j'ai le principe. En fait, faut passer par tous les trucs verts et choper les deux personnages au passage, je suppose. Ça doit être un truc comme ça. Ça s'annonce assez simple, alors, si c'est ça, normalement. Parce que là, je l'ai, je pense, hein, c'est gagné. Ok. un petit problème. On ne dira pas lequel. Est-ce qu'il faut que je revienne? J'en ai pas oublié pourtant. Ah, je peux plus revenir par là. Est-ce qu'il faut que je revienne au point de départ, à votre avis? Ok. Ça me dit pas ce que je dois faire. Pourquoi elle aurait un A? Est-ce qu'il n'y a pas un motif en A à faire? Un truc comme ça. Niquer le pied. Je sais pas si vous avez entendu, ça a craqué, c'est assez horrible. Oh non, mais vous êtes sérieux? Non, mais j'en ai marre. Comment je peux perdre 10 minutes là-dessus, sans déconner, quoi? Un truc aussi simple. Pff, tilt. Bon, plateau de balance. Dragon, ça on en avait besoin. Bah là, on a tout fait, je crois, cette zone. Hein. Encore une fois, c'est un peu ce que je reproche au jeu, c'est assez linéaire. Pour l'instant. Parce que là, je suis sûr que les scènes qu'on a fait au début, tout ce qui était manoir, tout ce qui était asile, on n'y reviendra jamais. Donc, de ce point de vue-là, c'est un petit peu déceptif, mais c'est pas non plus. Ça me dérange pas non plus. Après, l'ambiance est super cool, quoi. Et ça change beaucoup des. Enfin, beaucoup. Ça change pas mal des Ravenhearth classiques, du coup, de ce point de vue-là. Hop, le dragon. Désolé pour le fail hein, du puzzle d'avant. Mais... Encore trop facile, vieil homme, Alistair Dalimar. Ouais, vous êtes pas trop. Ça, c'est les clés qui vont là-dessus. Donc ça devrait nous donner très probablement de quoi ouvrir le mécanisme qui est sur la tête du gars, je pense. Ça devrait nous donner une clé, en fait. Ah, une lime. Ah, c'est une lime. Ah non, c'est une clé, d'accord, très bien. Là, je crois qu'on a tout fait aussi. Ah non, il reste ça, exact. Et ça, oui, ça va être pour faire la clé, très bien. Et d'accord, faut sélectionner les bons en fait. Attendez, là j'ai fait ça. Là ça fait un creux ici. Ah, par contre, comment on fait cette forme là? Là je comprends pas trop par contre pour le coup. Ça, ça devrait être lui, je pense. D'accord, très bien, je viens de comprendre, ok. Oui, ok, c'est beaucoup plus clair comme ça. Donc, ça, ça va aller ici. Ça, ça va aller ici. Ça, ici. Ça, ici. Ouais, inversé avec ça, c'est bien. Celui-là, oui, ça doit être lui, ça me paraît pas mal. On doit pas être si loin que ça, là. Ça, là-bas. Je pense qu'on est bon, là, non? Attendez que je vérifie. Ça, c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça ça m'a l'air bon, ça aussi. Ah, ça c'est pas bon par contre. Ok, ouais, c'est de là qui est inversé. Très bien. Et donc faisons une clé. Ah oui, c'est balèze. C'est pas la petite clé non plus quoi, faut dire c'est la bonne clé quoi. Pour contrefaire ça, faut y aller quoi. Faut avoir l'idée. C'est un point de vue unique sur le passé d'Alistair et sur ce qui l'a conduit à devenir le cerveau maléfique que je connais, que je crains. Effectivement. Je sais pas s'il y aura un passage avec Madame Fate, comme c'est son globe de cristal et tout. Donc on va retourner là, le bureau du pays je crois ça s'appelle, et on va mettre la clé là-dedans. On ne sait pas trop qui se cache là, on dirait une femme un peu, hein, mais bon après. Et on est parti pour un mini-jeu, c'est... Ça va être long.
Alors, ça donne un 2-4, là on sait pas trop quoi, c'est ça d'ailleurs. Bon, on va essayer d'appuyer un peu n'importe où, on va voir ce que ça donne. Là, on a un disque qui tourne avec du jaune. Ok, ça c'est un gros coup de bol parce que j'ai fait n'importe quoi. C'est un peu nul par contre, mais bon, c'est pas grave. Ok. Ah oui, oh là là, ça va être long. Ça va être très long, les amis. Bon, je pense que ça va bien nous prendre la fin de l'épisode, voire plus, hein, facilement. Bon, faut vraiment comprendre, hein, c'est le plus dur dans ce genre de truc. Oui, d'accord, on a ça et ça, très bien, ok. Ouais. Les deux qui manquent, ils sont de l'autre côté, ils sont là. Je sais pas si il faudrait que je les note, on verra ça. Ok. Et où est-ce que je peux ramener ça, votre ami? Celui-là, je peux le prendre aussi? Ouais. Heureusement, j'ai pas trop le choix ici. J'ai pas grand-chose à faire. Vas-y, va par là, continue, on va voir ce que ça donne. Un peu de mal à comprendre ce qu'il faut faire pour l'instant, pour être honnête. Enfin, il faut pas jouer avec les deux. Est-ce que lui n'active pas? Non, il fait pas tourner ça. Et en fait, ah oui, d'accord, faut qu'il aille faire tourner ça là-bas. Ok, attends, là, je pense que je commence à comprendre le principe. Mais... Et lui, il fait tourner quoi? D'accord, il fait. Ah, ok, ouais, c'est bon, c'est intéressant. Un coup, voilà. Maintenant, on peut aller faire tourner ça ici, nickel. Donc ça, on peut le ramener là-bas maintenant. Ok. Ça, on a compris, c'est bon. Nous obtenons rien du tout. On a juste ouvert un crâne. On est bien content. Comment vous dire? La déception, un peu. C'est bizarre qu'il n'y a rien, par contre. Quoi ça sert ça? Ah, ça peut-être. Ah, j'ai une là. C'est les vitesses de rotation, ok. Bon, ça va être chiant, ça c'est un peu du pif en fait. Allons-y au pif, voir un peu, on essaiera d'aviser. Il faut que lui tourne beaucoup plus vite, on va le mettre à 5 pour voir ce que ça donne. Donc lui on va le faire tourner à 2. Le problème c'est que quand on a que 2 c'est simple, mais après il faut anticiper par rapport aux autres et ça devient beaucoup plus dur. Là ça devrait être bon. Ok. Ça m'étonne là ce truc là. D'accord. Pas si mal que ça en fait. Ok. Donc j'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe en fait. On va voir, je vais refaire un tour. Faut soit l'augmenter de 1, soit le descendre de 1. Ils étaient pas loin. Ok, donc faut l'augmenter de 1, on va le mettre à 3. Hop. Là on devra arriver au dernier, puis le dernier on verra. J'aurais pu regarder un peu en avance. Dernier, on va le faire tourner plus vite, on va le mettre à 4, je dirais, ça peut peut-être passer. Non, il faut le mettre à 5 du coup. Ou alors c'était 3, je sais pas, je crois que c'est 5, hein. Je crois qu'il était trop court, mais j'ai pas fait attention, c'est en avance ou en retard. Ouais, le problème c'est que 3 ça va pas marcher non plus, donc je suis un peu embêté là, parce que ça veut dire qu'il faut que je redécale tout. C'est ça le problème en fait, c'est que tant que t'es pas au dernier, tu sais pas trop... Donc, on va le faire tourner un cran de moins, lui. Lui, du coup, on va le faire tourner un cran de moins aussi à 4. Et lui, on va le faire tourner un cran de moins à 2. Et donc, lui qui était à 3, on va le repasser à 4. On ne doit pas être trop mal, je pense.
Yes. Et donc? C'est sérieux que ça a rien fait, quoi. Si pourtant je peux plus faire ça, donc ça a forcément fait un truc. C'est tombé là-dedans. Mais je ne vois pas à quoi ça sert. J'ai plus accès à ça, donc ça a forcément fait quelque chose de bien. Alors, attends, est-ce que ça communique pas de l'autre côté? Je comprends pas ce que ça a fait là, ça m'énerve. Ah, j'ai une main ici là. Ça c'est une sorte de code, je sais pas trop, là il y en a plusieurs, faudra comprendre le moment venu. Mais pourquoi ça n'a rien fait ici? C'est tombé là. Et après plus rien. Il y a de la vapeur, ok. Là je peux plus rien faire visiblement. Il y a ça mais on peut pas le faire pour l'instant. Bon bah écoutez, on regardera ça tout à l'heure. On va revenir ici, on va essayer de faire ça, comprendre ce qu'il faut faire. Donc ça va être bien relou. Alors faut comprendre, ils sont de plus en plus petits visiblement. Je sais pas trop ce que je dois faire pour être honnête. Est-ce qu'il n'y a pas un code quelque part? On a fait au pif, on a ouvert le truc, on sait pas trop comment. D'accord. Très bien. Ça va être loin, ça va faire une grosse fin d'épisode, là je ne sais pas ce que je dois faire. Ah mais c'est cool vos boules les gars, mais si je sais pas ce que je dois en foutre. Compliqué, hein. Je vais même pas les inverser, je comprends pas. D'accord, faut les mettre ici. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme qui s'active pour voir si on a bon, je sais pas. Oh les gars, please. Ah, regardez, ça pourrait correspondre à ça. Ah, je pense que ça correspond à ça. Là, je vois pas ce qu'on peut faire parce qu'on ne peut rien faire en fait. Hormis faire ça et ça, mais ça sert strictement à rien. Je comprends pas pourquoi, par contre, ici ça ne m'a rien fait quoi. C'est pas normal. Je suis désolé, mais en plus je ne peux plus du tout y accéder donc. Il reste activé, mais à part ça. Ouais. Bon, je pense que la solution est soit ici, mais je vois pas, on peut pas connaître le code à l'avance, donc je pense qu'elle est ici, mais. Je sais pas, j'essaie des trucs au pif. Hein, mais... Ouais, bon. Sinon, il y a ça, mais ça, on sait pas ce qu'on doit en faire, donc ça ne m'arrête pas du tout. Je dois les mettre du plus petit au plus grand par exemple, je sais, franchement je sais pas là, vraiment je suis perdu. Je suis désolé les amis, mais je sèche complètement. Là je comprends pas vraiment par contre, parce que j'ai bien fait le truc et ça a rien débloqué, c'est pas normal. Faut pas que j'appuie sur passer parce que là j'aurai les boules un peu.
Regardez, il n'y a rien à faire ici, c'est pas normal, j'aurais dû faire un truc avec ça quoi. Regardez, ça allait là-dedans, ça correspond exactement à la même couleur, donc ça c'est passé là-dedans. Y a rien après, on est d'accord, hein. Au-dessus, il n'y a rien. C'est pour sortir. C'est aligner ces deux-là, des fois qu'il faudra en faire un truc, mais non. Ça, il manque forcément quelque chose, ça peut pas juste être comme ça, je comprends pas. Vous savez quoi, je vais peut-être couper l'épisode ici en fait, parce que je suis déjà à plus de 30 minutes et là je suis bloqué, donc clairement, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et on reprendra bah, là-dessus, du coup, je dois réfléchir à mes options. Bah, je sais bien, je comprends pas ces deux trucs-là. Attendez. Parce que ça pourrait être des fois ça en fait. Je sais pas, non. Ça fois ça égale Y égale Y égale Y. Quoi correspond Y? Je peux pas les inverser. Que ça pourrait vouloir dire supérieur, ça serait même assez logique. Je réfléchis encore 2 secondes, hein. De toute façon je vais couper l'épisode, mais c'est pour la suite. Je pense qu'il faut que j'active lui après parce que je peux pas activer les restes, mais. J'espère qu'il n'y a pas eu un bug avec l'autre boule là parce que vraiment je comprends pas ce qui s'est passé ici. Bon, vous savez quoi, j'arrête l'épisode ici parce que là je suis perdu vraiment. On se retrouve la prochaine fois. J'essaierai peut-être de réfléchir en off un peu pour pas qu'on repasse une demi-heure là-dessus. Ou alors je ferai une ellipse, je verrai. Déjà là ça m'emmerde un peu de vous avoir fait chercher au moins 10 minutes. Enfin, vous avoir fait chercher, vous êtes. D'avoir cherché comme ça pendant 10 minutes et pas avoir fait grand-chose. Au final, c'est pas très intéressant pour vous. Après, bon, vous pouvez avancer la vidéo, hein, c'est pas un souci non plus. Mais voilà, donc voilà. Désolé pour ces petits fails, on n'a pas été très brillant sur les énigmes aujourd'hui. En tout cas, on se retrouve. Bah, moi je continue là tout de suite, donc je vais réfléchir un peu à ça en off. Et pour vous, encore une fois, on se retrouve dans 2-3 jours pour la suite. Voilà, merci d'avoir regardé. Désolé encore une fois si l'épisode n'a pas été passionnant. C'était pas terrible, terrible, on n'a pas fait grand-chose, mais bon, c'est comme ça. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si l'épisode vous a quand même plu. Et on se retrouve très bientôt, donc voilà. Merci d'avoir regardé, à très bientôt et surtout amusez-vous bien. Allez, ciao!